Mais bonjour à tous et à tous, ça c'est vraiment premier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau jeu qui s'appelle Game Dev Tycoon. Et on va faire un split dessus. Voilà. Donc le but du jeu, c'est un jeu un peu de simulation de création de jeux vidéo. Vous allez voir, on va commencer des débuts du jeu vidéo jusqu'à... Bah, je vais pas vous dire plus que ça va être du spoil. Donc on va commencer. Une nouvelle partie. Voilà. Attention, voilà. Nous sommes dans Game Dev Tycoon. Dans cette simulation d'entreprise, vous allez être transporté dans le temps au début de la révolution du PC. C'est comme ce que j'avais dit. Pour démarrer votre propre entreprise de conception de jeux vidéo, dans les prochains 35 prochaines années, vous pourrez construire l'entreprise de vos rêves, générer d'incroyables ventes de jeux, gagner des fans et devenir leader du marché. Avant de commencer votre aventure, vous devez donner un nom à votre entreprise. Alors, mon entreprise, j'ai envie, on va l'appeler. Wolfpoint Inc. Voilà, et moi, je m'appelle. J'ai envie d'un petit nom, Jawad Mermoud. Voilà. Amelaboud. Alors, ah non, voilà, c'est bon, il est boss et on va l'appeler. Oh, ça va encore ça. On va le mettre comme ça. Non, j'ai commencé. C'est pas ça, forcément. Ah, pour la durée du jeu. On va faire 35 ans hein, comme conseiller. Alors, niveau des conseils, non, on va pas découvrir ce conseil. On va faire sur celle-là. C'est une ancienne partie. En fait, pour oublier cette ancienne partie, c'est... En fait, c'était mon premier esprit, mais que j'avais raté. Donc, c'était ça, le petit problème. Alors, pour débuter, bah, on va commencer à faire un jeu vidéo. Alors, les termes, romantisme, western, chasse, évolution. D'accord, du caca. Donc, on va faire sur la chasse. On va l'appeler The Deer. Ça veut dire, en français, le cerf. On va faire un jeu de simulation et sur la sous PC. Vous voyez bien le pauvre PC de merde que c'était. Voilà, PC suivant. Et on va faire un graphisme de D1. Voilà. Le moteur, bah, je pense qu'il faudrait en monter un peu. Le gameplay quand même aussi. Et sur quête, oh, enfin, pas du tout presque. Alors, pour vous dire, alors je vais pas trop expliquer. Alors, ouvrez en haut à droite. Il y a le nombre de fans que vous aurez, les mois, les jours, les années et l'argent que vous avez au début. Et après, vous allez voir, ça va plus augmenter. Et ici, quand vous créez un jeu vidéo, il y a bug, design, technologie et recherche. En fait, ça, enfin, recherche, ben, tout cela, c'est pour qu'on crée un jeu vidéo. Les bugs, c'est ce qui va être dans votre jeu et qui ne devra pas être bugué. Enfin. En fait, le problème c'est que si vous avez des bugs, parfois les fans vous demandent de faire un patch. Et plus en plus de bugs que vous avez, et bah ça veut dire que vous devrez payer plus. Enfin, vous devrez payer plus pour le patch. Comme moi ça m'est arrivé, je lui payais 1 million pour le patch. Alors, voilà. Sinon le design et la technologie, c'est pour environ le jeu vidéo. Comme vous voyez, on a déjà 3 bugs. Alors je vais vous montrer après comment faire pour les éliminer. Les dialogues, on diminue, les ennemis niveau, on augmente. Intelligence artificielle, bah oui, parce que c'est un... C'est quand même, parce que donc, si vous avez un cerf qui vous colle à côté alors que tu qui doit avoir peur, c'est un peu bizarre. Hein. design du monde, bon, on va augmenter aussi. Les gracieux, c'est bon, les gens. Le son aussi. Et voilà. Et vous voyez les petites bulles, vous voyez, ça va être passé dans tous les... Voilà. Alors pour les bugs, on veut terminer et en fait ce qu'on fait, mon petit Jawad, il est en train d'enlever les bugs. Il descend. Et voilà. Alors les jeux, tiens, comme c'est mis en pause, je vais vous montrer en haut à droite les dépenses mensuelles, c'est ce que vous avez dépensé au fur et à mesure. Alors mon jeu est prêt avec 8 de design et 14 de technologie. Ici c'est en fait tous ceux qui m'ont servi à créer le jeu vidéo. Et c'est fini.
et sa vie à créer le jeu vidéo. Et en fait, ça a poussé de plus en plus de niveaux, surtout avec le. Surtout avec les jours comme ça. Et vraiment, là, on voit moi, Jarwan Nermoon, qui va pouvoir passer de jeu, qui va pouvoir passer de niveau. Et plus tu passes de niveau, plus on passe de niveau, plus en fait on pourra le former avec de nouvelles choses. Alors, la première critique de The Dear, le dernier jeu vient d'arriver. Alors, on va voir ce que j'ai eu. Un 7, super. Un 6, mieux faire. 6, j'aime. Et 6, de compenser. Alors là, c'est les notes qu'ils vont vous donner, et c'est ce qui va faire votre note à la fin. Alors, on va fermer, et on va voir. Alors, on va voir, vous allez voir, voilà. Là, il y a les nouvelles. Wolf Parling, qui est nouvel acteur dans l'industrie des jeux vidéo, vient de sortir son premier jeu, The Dear. Et le jeu a reçu de bonnes critiques, avec un si bon départ, Wolf Parling est sûr de gagner des fans rapidement. Alors là, vous voyez en haut, c'est ce qui va. C'est ce que vous allez gagner. Il y a déjà au début. Première semaine de vente. The Dear est vendu à 3183 exemplaires dès sa première semaine de vente. Nous sommes classés. Numéro 29 des ventes, voilà. Pour les fans, je veux dire, on a tassé 22 fans. Et en fait, là, c'est les jeux qui vont être. Les jeux qui vont être vendus dans d'autres pays. Dans d'autres pays et en fait, c'est ce qui va récupérer plus d'argent. Alors, record des ventes. Je veux dire, il y a un nouveau record de vente pour l'entreprise avec plus de 215 ventes vendues. C'est une étape importante dans l'histoire de Wolfpoint. C'est-à-dire que notre jeu, c'est de la bombe. Alors moi, à chaque fois, je veux voir, c'est faire un rapport sur le jeu. Que comme ça va m'aider pour mes plus prochains jeux sur alors, soit un jeu sur PC, soit un jeu sur la chasse, enfin sur le chasse, ou soit sur la simulation. Alors là-bas. Notre rapport. Notre analyse post-publication de The Dear est terminée et nous avons obtenu les résultats suivants. Chasse et simulation est une bonne combinaison et dialogue semble pas être important pour ce type de jeu. Et voilà, c'est à dire que alors maintenant je peux voir d'abord pour découvrir le jeu. Non, c'est le genre. Bon, mais allez, je vais prendre chasse et je vais mettre simulation. On dirait que c'est un beau combo. Et on peut. Bah, pour l'instant on peut pas voir encore. Mais en fait je veux pas faire un autre jeu. Je veux voir que je peux rechercher. C'était pour rechercher pour un autre jeu. Alors j'ai espace, cyberpunk, et je peux rajouter. Je vais prendre de l'espace. Into space. On voit bien que notre jeu se vend bien. C'est ça qui est cool. Voilà, alors mon jeu était retiré du marché et il avait généré plus de 144K de recettes. Faut faire quand même, enfin faut pas faire, mais c'est super. On voit bien l'argent que j'ai bien gagné. Alors, vous êtes mis à la recherche de votre team espace. Voilà, ah, nouvelle de l'industrie. Une nouvelle de l'industrie, c'est tout ce qui va se passer dans l'histoire du jeu vidéo. Alors, les récentes études du marché montrent que les ventes de Govodor G64 dépassent régulièrement celles de ses concurrents dans le secteur des PC. Les consommateurs préfèrent son tarif plus avantageux à sa plus grande disponibilité et la meilleure flexibilité de sa configuration matérielle en comparaison des autres ordinateurs personnels. Les experts prédisent que cela pourrait sonner le glas des constructeurs concurrents. Je n'ai pas compris l'affaire. Alors, on va voir ce nouveau thème, j'ai pas d'autre militaire. Oh, je sais pas trop militaire. On va créer notre deuxième jeu qui va être dans l'espace. On va l'appeler. In the Star. Je veux dire dans l'étoile. Ok, dans l'espace, donc action. Je pense que ça a bien marché. Et on va essayer sur la G64 pour changer un peu. D'accord, je vais commencer, j'ai quand même deux bugs. Super. Donc histoire quête, on va en mettre jusqu'à là. Du gameplay, on va quand même en mettre. Du gameplay, c'est super. Et moteur, on va laisser comme ça. Et je viens de remarquer, j'ai seulement 109 fans. Super.
Bon, pour les dialogues, on va mettre pas ce que pense. Si une jazz, exemple, tu joues, imagine, tu joues, imagine si tu remplis ta barre comme ça. C'est comme ça, comme ça. Alors, mon gars, je dis, si, ouais, à moitié, tu marches un pas, on parle pendant un long moment, tu remets un pas, on parle longtemps, ça c'est chiant. Donc, les dialogues, je mets pas ce que pas. Les du niveau, j'augmente, et pour. C'est quoi ça fait ça? La holding niveau, j'augmente comme ça, et intelligence artificielle aussi. Voilà. On voit que notre petit Jawad travaille bien. La lunette en plus. Ah, lunette en plus. Donc, design du monde, voilà. Ça va. Les graphismes, super. Et le son, voilà. Maintenant, avec les graphismes, voilà. Ah oui, excuse, non, je ne peux pas encore le faire. Vous verrez ça plus tard. Donc, notre petit Jawa Mirmoud enlève les bugs. Alors, ah. Nouvelle de l'industrie. D'après des rumeurs, l'entreprise japonaise Nirvendo projette de se lancer sa propre console de jeu Nirvendo. Nirvendo est conçu pour et connu pour le jeu d'arcade à succès Dinky King. Alors vous savez c'est qui, vous savez c'est quoi Nirvendo et Dinky King. Je vais pas vous dire, mais je pense que vous savez. De nombreux experts issus du milieu de l'industrie ont émis des doutes sur le fait que les consoles de jeux décollent. Mais nous avons hâte de voir ce que Nirvendo va nous sortir. Voilà. Un jeu vient d'être terminé. Et là, je viens d'établir un nouveau record. Et vous allez voir que le plus haut, c'est le design du monde et le gameplay. Qui va bientôt passer le level 2. Alors, la critique du jeu. La première critique de In The Star, notre dernier jeu vient d'arriver. Bon, combien on a avoir. On a 6. 6, un 6 et un 7, donc j'aurai 6,25 si je me souviens bien. Ouais, 6,25. Moi, je vais faire un rapport sur le jeu pendant que le jeu se vend et j'y gagne beaucoup d'argent. Money, money, money. Alors, rapport. Notre analyse post-publication de In The Star est terminée dans le suivant. Espace d'action est une bonne combinaison. Design du jeu semble être relativement important pour ce type de jeu. Correspondance, plateforme, genre, action, devient bonne. Bon, je crois que quand j'ai fait ça, juste avec un nouveau jeu sur cette plateforme. Voilà, on peut voir que les jeux d'action marchent très bien sur PC. Sur GSON 4. Un peu plus tard, je vais faire d'autres jeux sur ça. Et ben, je pourrais. On va quand même rechercher pour militaire. Et pour après voir après. Alors en fait votre personnage voit bien qu'il travaille tout comme ça. Mais vous voyez il y a plusieurs actions. Par exemple il peut écrire, alors à côté il y aura une tasse de café et quand là il en fait une nouvelle là, c'est qu'il écrit sur son bloc-notes. Alors quand il écrit sur le bloc-notes, et ben en fait ça va plus faire des points de recherche. Mais sinon il y a quand même un malus, c'est que quand il fait une action c'est qu'il se gratte les cheveux. Et surtout c'est super embêtant, surtout quand on est dans des contrats. Qui se gratte les cheveux et il travaille pas, il donne aucun point, et après à cause de ça, souvent vous perdez. Donc, nouvelle de l'industrie. Aujourd'hui, Nirvendo a confirmé les récentes rumeurs et a annoncé son intention de sortir une nouvelle console de jeu nommée TES, en début d'année prochaine. La console est équipée d'un lecteur de cartouches et d'une manette de design unique. Donc ouais, bien, c'est quoi la TES? C'est quoi, il y a plus? Alors, je vais rechercher les thèmes sur le thème militaire. Attends, il n'y a pas de nouveau jeu. Non. Je vais rechercher. Non, pas celui du jeu. À la recherche, nouveau thème. Et j'ai loup-garou, super. C'est du caca. Et un nouveau jeu, un jeu de militaire. Je préfère comme jeu de militaire. Je sais pas. On va faire ce. Je vais faire ce. Non, je l'appelle Gun. Même si c'est un jeu vidéo qui est sorti, je m'en fiche. On va faire un jeu d'action. Oui, d'action. L'action est sur GM64. Voilà, et en 2DV à 3. Alors, au début, vous allez voir que vous croyez qu'il n'y a que la 2DV V2. V2 plus V3. Bon. Mais en fait non, il y aura plusieurs choses, par exemple il y aura l'histoire, enfin vous verrez plus tard. Et vous verrez par exemple, vous verrez plus tard, je vous expliquerai quand j'aurai débloqué ça. Donc mode gameplay, voilà. Voilà, ouais, il se gratte les cheveux et rien n'avance.
Et ça c'est très embêtant ça. Allez, va-t-on encore les cheveux, super. Alors, Insta, c'est mon dieu générant, 124K de recettes, super. On voit bien que j'en ai beaucoup, j'ai eu 128K. Et c'est super. Donc, dialogue, on n'en est presque pas. Alors, vous voyez, en bas, vous voyez, c'est marqué design du niveau. En fait, c'est ce qu'il me propose de mettre. Par exemple, voir si ça va mieux si je mets ça. Et c'est ce qu'on va voir. Et après, je vais peut-être faire une autre rapport pour savoir si c'est mieux ou pas. Ou peut-être que ça va encore continuer à faire comme ça. Oh, il a des poux, quoi. Alors, je gun, voilà, design du monde, graphisme et son, ok. Et je crois que c'est le dernier jeu qu'on va créer pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, encore, et encore, voilà. Gun est prêt, et ah, voilà. Vous voyez, il y a le design du niveau et le gameplay qui est passé niveau 2. Et moi j'ai bientôt passé le niveau 2, ça se voit. J'ai un Nermoud de bientôt passé le niveau 2. Alors nouvelle, aujourd'hui Nintendo sortira la TS sur les plateformes de jeu. Alors, les premières critiques pour Gun, les jeux d'arrivée. Alors combien on a eu? On a eu un 7. Un 7. Un 6. Et un 8. Ah, le meilleur 8 c'est le meilleur. Alors combien d'argent on a gagné avec ça, je vais découvrir les machins. Super. Alors, je vais faire un rapport sur le jeu. Et on va voir après. Et après, je vais vous parler d'un concept que j'avais. Alors, attends, je vais vous parler d'un concept que j'avais eu. Alors, travail sous contrat. Salut, je viens de terminer Gun et votre talent m'impressionne. Mon travail consiste à conclure des contrats et nous pourrions utiliser vos expériences. Si à l'avenir vous êtes un peu un cours de liquide, dites-le moi et je verrai si nous avons du travail pour vous. Jason. C'est pas Jason des rouleaux, hein. Oh la bonne blague. Bon je rigole, je sais je fais des blagues de merde. Vous en aurez peut-être tout le temps dans les vidéos. Alors, rapport, notre analyse, oui, du machin. Alors, militaire et texte, une bonne maison, histoire quête sans pas être important petit de jeu. Voilà. Alors on peut montrer travailler sur le contrat, ça va être, vous voyez, c'est même les bulles qu'en haut. Les bulles de design et technologie. Donc on va voir qu'il y en a moins, c'est ici. Mais sauf que c'est 3 semaines. 3 semaines, tout ça c'est 3 semaines. Alors on va essayer d'en faire un. Bon, le truc que j'espère c'est qu'il se rattrapera pas les cheveux. Alors commençons. Alors vous voyez ça, il a un temps restant et pour l'instant il doit remplir ça jusqu'à la fin du temps. Et je pense que s'il se casse pas les cheveux ça va aller. Et voilà, c'est terminé. Et maintenant on gagne 16K avec ça. Alors salut, c'est Jason des rouleaux. Non je rigole. Le client vient de m'apprendre que vous avez honoré le contrat. Excellent travail. Habituellement j'ai des nouveaux contrats tous les 6 mois. Alors revenez dans quelques temps. Voilà. Alors mon concept que je voulais vous parler c'était de en fait c'était que en fait je vous propose en commentaire par exemple un type de jeu avec demander un jeu par exemple avec soit un jeu de que je vais nommer Ziggy, je vais nommer Ziggy comme ça. Ça va être un jeu de loup-garou qui sera un RPG qui sera sur TS. Vous voyez un genre comme ça. Alors, ça serait super si vous m'envoyez ça dans les commentaires. Alors, surtout les amis, on va se laisser parce que je vais vous laisser. Alors, je vous dis salut dans une prochaine vidéo. Salut!